Harry. 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 Ouvre la porte. Le formulaire. Je dois faire signer ce Vernon. Qu'est-ce que c'est? C'est Vernon. C'est pour l'école. Plus tard, peut-être, si tu te conduis bien. Oui, si elle en fait autant. Tu es toujours là, toi? Oui. Ne me réponds pas oui avec une telle ingratitude. Estime-toi heureux que mon orphelinat s'est recueilli. Je l'aurais filé à un frère si on l'avait déposé devant ma porte. D'accord. Tiens, finis l'assiette de maman. Oui, c'est bien, maman, c'est bien. Tu te laisseras bien tenter, Marge. Juste une goutte, Charlie. C'était délicieux. Pétunia. Un peu plus, quand même. Oui. Je mange toujours sur le pouce, moi, avec mes 12 orphelinas. Encore un peu. Voilà, parfait. Voilà. Et une petite goutte de cognac, Momo. Oui, une petite goutte de cognac pour le gentil Momo et sa maman. Pourquoi? Oui. Dans quel collège l'as-tu envoyé? Saint-Brutus. Un excellent établissement pour les cas désespérés. Il donne des sus à Saint-Brutus. Sus. Oui. Oui, oui, et moi je reçois très souvent. Sus. Très bien. J'en ai assez des préchipréchagnagnans des chiffres qui ne veulent pas qu'on corrige ce qu'ils méritent. Mais ne te sens pas responsable de ce que ce garçon est devenu, Vernon. Ça vient uniquement du sang. Le sang est mauvais, ça ressort toujours. Que faisait le père de ce garçon, Pétunia? Rien, il ne travaillait pas. Sus, sans doute. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as dit? Mon père n'était pas un père. C'est pas grave, t'en fais pas, Pétunia. Il est temps que tu ailles te coucher. Un peu plus quand même. Il est temps que tu ailles te coucher. Un peu plus quand même. Il est temps que tu ailles te coucher. Silence, Vernon. En fait, ça n'a rien à voir avec le père, ça vient avant tout de la mère. On voit ça couramment chez Vernon. S'il y a une tare quelconque chez la mère, on retrouve la même tare chez la mère. La ferme! La ferme! Comment? Écoute-moi bien, toi. Tu la fermes!